Les enveloppes budget, comment ça fonctionne? Je vais essayer de vous résumer ça simplement. L'idée avec les enveloppes budget, c'est d'utiliser les espèces pour les dépenses du quotidien et pour les épargnes. Pas pour les factures mensuelles qui, elles, sont généralement payées par prélèvement pour tout le monde. Le but, c'est pas de se compliquer la vie en devant payer l'électricité en espèces. La base, ça va donc être de faire un budget mensuel en calculant chaque mois le total de vos revenus et d'en déduire le total de vos prélèvements. Le montant qu'il reste, ça s'appelle le reste à vivre et c'est celui que vous pouvez utiliser en espèces pour les enveloppes budget et que vous devrez répartir entre vos différentes catégories de dépenses du quotidien et épargne. Et c'est là la clé des enveloppes budget, c'est de catégoriser vos finances pour y allouer des budgets à ne pas dépasser. Et rien de tel que les espèces pour se rendre compte de combien d'argent il nous reste. Les catégories et les montants que vous y allouez ne sont pas imposés et doivent être créés par vous de façon à être adaptés à vos besoins, vos envies et vos projets. La seule règle d'or, c'est de respecter votre budget global pour éviter le découvert et favoriser l'épargne. Ça, c'est vraiment la méthode de base, mais elle est très malléable et peut être utilisée à plusieurs niveaux pour vraiment correspondre à vos besoins et surtout à tous les budgets.